énorme et vieux ventilateur essayait de brasser l'air lourd d'odeur. On aurait pu palper la peur dans une aussi épaisse moiteur. Pour la douzième fois de la soirée, Jeanne des Gravelles l'air emmerdée. Troisième bouton de son bustier pour trois matelots vraiment flippés. À la grande table de poker, deux as planqués sous la théière, le vicomte lançait les enchères, une main posée sous le revolver. Macao, 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 si plein de matin, ça sent les cinq écarlates. L'énorme et vieux ventilateur mélangeait friture et sueur. On sentait monter la terreur, comme s'il y avait plus de pesanteur. Fred écroulait sur ses bongos pour avoir sniffé trop de coco. Regardez partir sa mado au bras d'un gigantesque travelot. Et soudain, le coup de feu. Le vicomte morfle entre les deux yeux. Pour une fois qu'il avait du jeu, rigole Max en rangeant son feu.